Oui, bonjour, donc Jérôme Bouju, donc installé depuis le 1er janvier 2018. On a 400 chèvres en production laitière exclusivement, on ne fait pas de transformation. On a 160 hectares dans le marais, dont 40 hectares en SFP. Donc on a le robot Lely Vector, on a l'Eurostal à la traite. Qui est robotisé. Et ensuite, on gère le troupeau avec le logiciel Caplay du contrôle laitier. Alors moi, je n'étais pas là, je n'étais pas encore installé. C'est en 2015, je crois. Donc mon père et mon oncle, qui étaient associés avec mon frère en GAEC, étaient sur le point de partir à la retraite. Donc du coup, ils ont choisi de prendre le Vector pour remplacer une unité de main-d'œuvre, au moins pour la partie alimentation. Et après, c'était l'aspect aussi économique et l'aspect gain de temps. Eurostal a été mis quasiment en même temps que le robot, parce que le Vector, donc, il fait une ration de base à la crèche, avec une chèvre laitière et donc tous les fourrages. Et il nous manquait une complémentation à la traite. Donc l'Eurostal permet d'individualiser les courses entrées à la chèvre. On a un granulé pour l'état des chèvres et un granulé pardon, pour gérer le correcteur. Et ça évite de faire des lots dans le bâtiment. Si c'était à refaire, non, je le remettrais. Je le remettrais parce que nous, ça nous permet de libérer du temps. Et ça fonctionne très bien sur la chèvre, pardon. Voilà. Non, je referai pareil. Parce que avant de m'installer, je travaillais chez Lely. Et donc, j'avais montré à mon oncle Mario le robot qui démarre. C'est pas grave, on le verra travailler. Je lui avais montré et du coup il s'est dit oui, ça pourrait peut-être marcher sur la chèvre, sachant que c'est un robot qui était fait à la base pour les vaches. Voilà, ils ont franchi le pas sur la chèvre. On a été les premiers à voir ça. Je fais un peu attention parce que normalement on n'est pas censé être là au moment où il fonctionne. Voilà, on a franchi le pas, on a été les premiers et on regrette pas. Technologie rêvée, le robot de traite pour les caprins maintenant, parce que ça n'existe pas encore, enfin pas à ma connaissance. Les deux. En élevage, vaut mieux écrire et saisir après sur l'informatique. Oh, pas Nokia, c'est trop vieux. iPhone non plus. Android, enfin oui, connecté quoi. Rouge. TikTok, Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux, connecté à bloc. Ah, DAC. Vais dire trottinette électrique, mais ils vont me traiter de feignant après. Faire appel à un ami, non? Joker? Je sais pas trop, c'est à toi de me le dire.